À partir des années 1960, à la fois par l'explosion démographique et par l'immense développement du mouvement industriel, les intérêts économiques l'emportèrent sur les intérêts proprement intellectuels. La recherche de l'efficacité ou l'exigence d'efficacité l'emporta sur l'exigence de vérité. On demanda donc à l'université de pourvoir la société de gens préparés, adaptés à ce qu'allaient être leurs diverses tâches. On aurait des ingénieurs de la culture comme il y aurait des ingénieurs pour les usines. Et du même coup, aussi bien le style, les méthodes que la mission de l'université se trouva changée. Tout s'en trouva changé. Donc, après un changement culturel, il y eut un changement de finalité sociale qui fut accompagné d'un changement démographique. Ce changement démographique, qui, en même temps qu'il était quantitatif, était devenu qualitatif. Il faut ajouter à cela quelque chose que je crois beaucoup plus profond, beaucoup plus clandestin, mais qui emporte la société tout entière. C'est quelque chose qui a commencé vers les années 1910, avant la Première Guerre mondiale, par conséquent, vers les années 1910, aux États-Unis, quoique ce fussent des Français qui participaient le plus activement, et c'est une sorte de nihilisme. Ça commence avec Marcel Duchamp. Dans ces années-là, à New York, Marcel Duchamp n'est qu'un original parmi d'autres, qui ne tient à rien, ne s'intéresse à rien, dénigre tout, et dont nul ne pouvait soupçonner qu'il serait considéré, 30 ans plus tard, pour le pionnier de la nouvelle culture. Or, cette nouvelle culture fut très bien nommée, à partir des années 70, une anticulture. Mais anticulture, c'est le nom qu'on aurait dû lui donner dès le début, dès 1910, et c'est une forme de nihilisme. Ce nihilisme est une sorte de raz-de-marée culturelle. Il appartient à l'histoire des mentalités, et c'est lui qui a tout emporté. Des cours où on ne fait pas cours, des recherches qui ne recherchent rien, bref, en même temps qu'un effondrement d'un système de valeurs, se trouva en quelque sorte instauré de façon insidieuse, subreptice, un nouveau mode de relation entre les hommes où ni la vérité, ni l'élégance, ni la beauté ne jouaient aucun rôle, mais simplement une sorte de divertissement mou. Or, cela est difficilement compatible avec des impératifs de vérité, et pas davantage avec des impératifs d'efficacité. De là vient à la fois le délabrement des universités, leur effondrement intellectuel, en même temps qu'elles abritent des millions, des dizaines de millions de jeunes gens encore incultes. Voilà dans quelle situation très difficile nous nous trouvons, où nous gardons le mot qui ne correspond à aucune chose et où nous tentons de perpétuer ce que nous ne supportons plus. Voilà. L'intervention critique n'est pas un
un luxe de la démocratie. Ce n'est pas un éclaircissement supplémentaire qu'elle reçoit de personnalités exceptionnellement compétentes. La critique est inhérente à la démocratie elle-même. Elle en est consubstantielle. Dire démocratie et dire critique mutuelle les uns des autres, c'est la même chose. Aussi, n'y a-t-il pas de démocratie là où le jugement des uns n'est pas mis à l'épreuve du jugement des autres? C'est le sens même que les Grecs, les anciens Grecs, ceux du 5e siècle avant Jésus-Christ, donnaient à la démocratie lorsqu'ils se rassemblaient, opposant les arguments des uns à ceux des autres, dans la recherche commune du bien et de l'intérêt commun. Depuis que nous nommons, par commodité de langage, démocratie, tous les régimes, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'autocratie, de monarchie, de régime despotique, nous nommons démocratie tous les régimes où s'exerce un état de droit. Dans la mesure où tous ces pays sont de vastes pays, il va de soi que ne peut pas s'exercer une démocratie directe. On ne va pas convoquer 20 millions de personnes sur une place pour débattre de quelque sujet que ce soit. Donc, il est inévitable que la souveraineté démocratique, la souveraineté qu'a chaque citoyen, soit déléguée et que nous ayons donc affaire à une démocratie représentative. Une démocratie représentative, par essai, à tous les fondateurs de la démocratie, une sorte de contradiction dans les termes. Une démocratie représentative, c'est comme un cercle carré. Comme le disait Rousseau, sans remettre de sa propre souveraineté à quelqu'un d'autre, c'est comme sans remettre de sa volonté à quelqu'un d'autre. C'est ne plus en avoir. Aussi disait-il que les Anglais, en 1740, en 1760, qui en effet jouissaient d'une démocratie représentative, n'étaient libres qu'un jour tous les 5 ans, le jour où ils se rendaient aux urnes. Après quoi, ils avaient abandonné leur destin à quelqu'un qu'ils ne gouvernaient plus, parce qu'ils ne pouvaient plus le critiquer. Par conséquent, ces régimes d'assemblée relèguent en leur propre sein, entre les différents partis, cette activité critique qui est l'essence même, l'exercice même, de la démocratie. Alors, par le fait que les représentants du peuple, les députés, les sénateurs, etc., deviennent rapidement une sorte de corps enquisté à l'intérieur du corps social, la fonction critique prend deux sens. Tantôt, la critique s'exerce au sein des assemblées. Comme on dit, ce sont les opposants. Ce sont ceux qui ne sont pas au gouvernement. Et leur critique devient, en quelque sorte, institutionnelle, systématique. C'est leur rôle. Ils sont là pour dire non, pour s'opposer. De la même façon que dans les sports d'équipe, il suffit de changer le maillot pour devoir combattre ce qu'étaient nos amis la veille. Donc c'est une critique, une opposition, si j'ose dire, structurelle. Du même coup, la véritable critique, la critique sincère,
ne peut s'exercer qu'en dehors des assemblées, en dehors par conséquent des institutions, et elle prend à son tour deux formes. Ou bien une forme réglée, policée, mesurée. C'est celle qu'exercent par exemple les philosophes, les journalistes, des penseurs politiques. Elle peut prendre une forme spontanée, imprévisible. Et c'est le soulèvement spontané des masses en fusion au début de chaque révolte, de chaque émeute ou de chaque révolution. Car on ne sait jamais quand commence une émeute, si c'est une simple agitation ou si c'est une véritable révolution. Voilà comment le régime d'assemblée, tantôt a rendu dérisoire la fonction critique, tantôt l'a abandonnée, soit à des gens que personne n'écoute, soit à des gens dont on ne peut pas maîtriser la colère. Ce qui fait que toute démocratie d'assemblée, toute démocratie représentative, a fait de la critique une capsule de fulminate. C'est ce qui risque de faire tout exploser. Aussi n'y a-t-il rien dont on parle autant, qu'on ne célèbre autant et dont on se méfie autant. Dans la mesure où cette fonction critique est dévolue aux intellectuels, ou plus exactement, dans la mesure où ce sont les intellectuels qui la revendiquent, cette fonction critique risque d'être souvent dévoyée. Dans la mesure où ce sont leurs compétences, leur lucidité, qui s'alarment des décisions d'une assemblée, la critique qu'ils expriment est une sorte d'éclaircissement, de surcroît de lumière, qu'ils apportent à leurs mandataires, aux députés. Mais dans la mesure inverse, où ces intellectuels se déclarent engagés. Ils ont déjà pris parti, ils ont déjà décidé, avant toute délibération, de sorte que leur critique n'est qu'une forme guerrière de leur engagement, et à cet égard, ils font partie, comment dirais-je, des masses de manœuvre des autres groupes de l'Assemblée. Car lorsqu'on parle d'un intellectuel engagé, sa compétence d'intellectuel tend à apporter une caution quasiment imposteuse à une simple opinion qui est un article de foi. Sous prétexte qu'ils ont une éminente compétence en médecine, en droit ou en astrophysique, ils excipent de cette excellence pour fonder leurs opinions politiques qui n'ont aucun rapport avec leur spécialité. De sorte que leur engagement serait le même qu'ils fussent intellectuels ou non. Et de toute façon, leur compétence d'intellectuel ne justifie en rien, n'apporte aucun fondement intellectuel à leur engagement sentimental. C'est un truchement, c'est un masque, c'est une sorte de maquillage.
Le problème fut posé dès la fin du XIXe siècle, dès le début du XXe, en même temps que deux des principales puissances industrielles développèrent leur système d'échange, ou plutôt cherchèrent au-delà des mers et des océans un marché plus vaste pour leur production industrielle. Ce fut la colonisation. Or, la colonisation consiste à annexer politiquement des nations étrangères avec leur culture, leur identité, mais en leur imposant une identité politique étrangère à leurs mœurs, à leurs usages, à leur propre production. Cela se passa un peu plus d'un demi-siècle, sans trop de heurts, dans la mesure où les peuples colonisés fournirent à la fois une même main-d'œuvre aux industries nationales et une foule de consommateurs aux mêmes producteurs. Cet immense marché mondial produisait et consommait de la même façon. Tous étaient devenus des salariés. Le salariat était leur nouvelle identité. Mais de même qu'il n'y a de salariat, qu'il n'y a de salarié que par rapport à un patron, de même, ces nouveaux consommateurs ces peuples se découvrirent comme un prolétariat face à un capital qui les utilisait ou les exploitait. De sorte que le problème de l'identité nationale devenait un problème d'identité sociale. Est-ce que nous sommes hommes de la même manière, ceux qui subissent et ceux qui agissent, ceux qui décident et ceux qui obéissent? Là, l'identité fut mise en question par ce que Marx appela la lutte des classes. Mais la fin de la colonisation, qui ne se fit pas sans soubresaut, fut paradoxalement suivie, enfin je dis paradoxalement dans la mesure où ce n'était pas prévisible, ce n'était pas inévitable, elle fut suivie d'une vaste immigration des anciens colonisés chez les anciens colonisateurs. Or, ces colonisés se sentaient si différents, si irréductibles à la nation où ils prenaient désormais domicile, qu'ils ne voulaient nullement en adopter les mœurs, ni s'y effacer en s'y fondant. Ainsi, perpétuèrent-ils leur mode de vivre et de penser, leur pratique religieuse, au sein d'une nation où ils devenaient étrangers. Ils avaient en droit, juridiquement, c'était des citoyens semblables aux autres, sociologiquement, ethnologiquement, c'était des peuplades étrangères au sein d'une société qui ne les assimilait pas, ou dans laquelle ils ne voulaient pas s'assimiler. Et du même coup, on en venait à considérer que ce qui faisait une identité nationale, ce n'était pas d'avoir le même prince,
d'avoir le même passeport, d'être soumis au même code civil. Ce n'était pas même d'être ou de n'être pas de religions différentes. C'était d'avoir des références historiques communes. Autrement dit, ce qui faisait l'identité, ce n'était même pas un projet commun, c'était un souvenir commun, un souvenir collectif commun. Alors, tous ceux qui se sentaient descendants de Voltaire et de Pasteur se sentaient, comment dirais-je, appartenir au même monde, à la même nation. Ceux qui se sentaient des fils du prophète ne se sentaient nullement appartenir à la même identité que ceux qui raillaient tout, raillaient la religion, etc. Nous sommes dans une même situation d'éclatement, de dispersion, de diaspora qu'était la France au moment où elle prenait pour devise égalité, fraternité. C'est-à-dire, nous sommes face à un ramassis, un vaste rassemblement de peuplades qui ne se reconnaissent à peu près rien de semblables entre elles. J'ajoute, pour reprendre un thème antérieur de ces entretiens, que même au sein d'un petit groupe social ayant la même race, les mêmes origines religieuses, les mêmes origines culturelles, ayant suivi les cours des mêmes écoles, exerçant les mêmes fonctions, entre ceux qui admire une toile blanche ou un caillou ou une boîte de conserve rouillée, ramassée sur la plage, et ceux qui passent des heures devant le portrait d'Antoine Arnauld par Philippe de Champagne, ils se sentent aussi étrangers que si l'un était un aborigène et l'autre venu du pôle Nord. Faute d'avoir aucune culture commune, aucune attente, aucune exigence, aucun goût commun, leur identité n'est plus devenue qu'un problème. Heureusement qu'à une nation, sinon il n'en aurait pas. Qu'est-ce qu'une nation ? C'est l'arche de Noé où toutes les espèces coexistent. Ça tient lieu d'identité. Mon identité, c'est mon domicile, mon domicile, c'est un arche. À cet égard, peut-être le meilleur que puissent attendre nos sociétés, c'est de ressembler à ce que devait être Amsterdam au temps de Spinoza, où toutes les peuplades de toutes origines, de toutes religions étaient tolérées et se respectaient à condition de respecter les contrats qu'elles passaient entre elles. De sorte qu'il n'y aurait plus qu'un seul devoir entre les hommes, ce seraient les devoirs d'État. Je remplirai exactement ce que vous attendez de moi. Le commerce est le fondement de toute la communauté, et c'est une communauté sans communion. Rien ne serait plus fallacieux que de déterminer le propre d'une culture ou la valeur d'une culture par le nombre de ceux qui la pratiquent ou de ceux qui en sont familiers. Nous devrions au contraire nommer culture
sol humain, tout terroir humain, dans lequel une personnalité s'enracine, d'où elle tire ses sucs pour pouvoir exprimer ce qu'elle a de plus singulier. La culture a ce sens, et c'est ce par quoi nous nous reconnaissons nous-mêmes en tout ce qu'un homme crée. Minoritaire veut simplement dire si spécifique, si singulier, et du même coup si intense, qu'il ne se diffuse pas à moins qu'on y adhère. Et minoritaire, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne partage pas, ce qu'on n'intériorise pas spontanément. Il faut le vouloir pour le comprendre. Il faut s'y engager. Donc sont minoritaires ce qui est en dehors de la loi générale, c'est-à-dire ce qui est privilégié. En ce sens, beaucoup de cultures que nous nommions naguère régionales, ou certains domaines, comment dirais-je, abandonnés, dont l'éducation commune s'est retirée ou abandonnée par l'éducation, constituent désormais des cultures minoritaires. Que sont les hiéroglyphes égyptiens? Les témoignages, les marques d'une des cultures les plus répandues, les plus majoritaires, et qui a prévalu sur toutes les autres pendant longtemps, au point d'avoir été admirée par les Grecs et à commencer par Platon, jusqu'à devenir, en 1805, les vestiges incompréhensibles, jusqu'à ce que un petit lieutenant français tente d'élucider la pierre de Rosette. Il en est de la culture grecque qui a structuré la conscience, du moins française, latine en grande partie anglaise, qui a structuré la culture européenne et qui est aujourd'hui pour nous ce qu'était la langue égyptienne à l'époque de Napoléon. Il faut penser, si nous avions un peu plus de sens historique, nous penserions à ce qu'était Alexandrie au IIe siècle après Jésus-Christ, à ce qu'était Byzance. Et nous nous étonnerions que là où était la plus brillante culture, où tous venaient rechercher des témoignages, des textes. Il n'y avait plus que quelques chevriers parmi les ruines faisant paître leurs chèvres. Sans doute en sera-t-il prochainement ainsi de nous.